Mesdames et messieurs de la presse, des médias, s'il vous plaît, accueillez et faites du bruit pour le bonheur! Et sans plus tarder, j'aimerais donner la parole au président, M. Dave Shepherd. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse de la troisième édition du Bol d'or d'improvisation. Cela faisait au moins une décennie que je n'avais pas pratiqué cette activité. L'an dernier, j'ai décidé de renouer avec l'improvisation, mais ce, lors de la deuxième édition du Bol d'or d'improvisation. Au départ, je croyais que le Bol d'or d'improvisation était un tournoi amateur. Mais lorsque j'ai vu le calibre de jeu, j'ai vite compris le potentiel de ce tournoi pour le développement de la culture à Dolbeau-Mistassini. Compte tenu du calibre, j'ai également compris qu'il me restait un peu de saison à jouer pour rivaliser avec ces joueurs semi-professionnels. Lorsque nous étions en adolescents, nous avons joué de l'improvisation car nous avons eu la chance d'en voir. Mes idoles de l'époque étaient les Richard Hébert, Danny Perron, François Bellechard, André Boudreau, Gilles Dussault, Francine Murdoch. Et je tiens à les remercier de m'avoir transmis la passion des arts dramatiques. De notre petit noyau de joueurs de l'époque ont émergé les Stéphane Allard, David Savard, Danny Michaud, Paul-Patrick Hébert, Jimmy Doucette, Richie Brassard, Régent Claveau, Reg Lablanche, Musique Plus. Aujourd'hui, ils sont tous des artistes professionnels et ils vivent de leur art. Si j'ai accepté la présidence de la troisième édition du Bol d'or d'improvisation, c'est parce que je croyais sincèrement l'impact de ce tournoi sur le développement culturel de nos jeunes. Je veux permettre aux jeunes de voir de l'improvisation de qualité, tout comme j'ai pu en voir. De plus, cette année, des jeunes du Juvénat Saint-Jean, de la polyvalente Jean Delmeau et des maisons de jeunes du lac Saint-Jean viendront prendre part à trois parties hors concours. Notre objectif est de développer une relève. J'ai également accepté le mandat de président parce que je trouvais important de consolider le Bol d'or et d'en assurer la survie pour les années à venir. Afin d'atteindre cet objectif de consolidation, il était important de rallier l'ensemble des membres fondateurs de ce tournoi et d'y greffer les personnes les plus susceptibles de permettre au Bol d'or de rester à Dolbeau-Mistassini. Voici donc notre équipe, M. Bertrand Allard, M. Enrico Allard, M. Marc-André Paquette, M. Olivier Poitvin, M. Jean-Pierre Maillot, M. Jean-François Gauthier et M. Jimmy Allard. À cela s'ajouteront une vingtaine de bénévoles pour la tenue du tournoi. Comme dans tout projet, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et jusqu'à maintenant, c'était les frères Jimmy et Enrico Allard qui supportaient les risques financiers associés à l'organisation du Bol d'or. Je tiens à féliciter leur initiative, car sans eux, le Bol d'or n'aurait jamais vu le jour. Félicitations également à M. Marc-André Paquette, cofondateur du Bol. Cette année, nous étions désireux de remédier à cette situation, car le jour où ils en auraient eu ras-le-bol de ce tournoi, ce jour-là aurait probablement été le dernier jour du Bol d'or. Il était donc temps d'agir pour s'assurer que le Bol d'or est bien là pour rester. Afin d'y arriver, nous avons fait appel au service de M. Bertrand Allard à titre de président d'honneur de la troisième édition, compte tenu de son support et implication inconditionnelle au Bol d'or jusqu'à maintenant. Il a sollicité plus de 214 entreprises du secteur pour sa campagne de financement de l'or pour le Bol. Il a amassé plus de 1 500 $ et je tiens à le remercier au nom du comité organisateur du Bol d'or d'improvisation, mais aussi au nom de tous les amateurs d'improvisation. Bertrand, merci. Merci également à l'ensemble des partenaires du Bol d'or d'improvisation. La troisième année d'un projet est souvent l'année charnière. L'ensemble des membres organisateurs et partenaires financiers a décidé que le Bol d'or allait survivre. La levée de fonds de notre président nous permettra immédiatement pour le tournoi de réserver entre autres les salles, équipements, chambres des joueurs et ce, pour l'an prochain. Merci Bertrand. De plus, cette levée de fonds nous a permis d'investir dans de la publicité pour faire connaître notre événement. La qualité de notre affiche représente bien l'envergure de ce tournoi provincial.
Cette campagne de financement n'est toutefois pas terminée et jeudi le 27 avril se tiendra notre 5 à 7 bénéfices au Resto Bar Le Match dans le secteur de Mistassini. Nous voulons faire du Bol d'Or ni plus ni moins le tournoi d'improvisation le plus couru au Québec et le mieux organisé. Dès septembre prochain, nous aurons un site web qui nous permettra de nous faire connaître de tous les joueurs d'improvisation de la province. Je vous l'annonce, mesdames, messieurs, le Bol d'Or d'improvisation de Dolbeau Mistassini est là pour rester. Le Bol d'Or d'improvisation est l'activité culturelle la moins chère qualité-prix. C'est une activité familiale. Le passeport est au coût de 10 $ pour 3 jours et il vous donne accès à plus de 22 heures de spectacle. Je mets quiconque au défi de nous trouver une activité culturelle aussi abordable et autant de qualité. Si quelqu'un réussit, nous lui remettrons une paire de passeports pour la fin de semaine. Pour ceux et celles qui voudraient avoir la vie plus facile, il vous sera possible de vous procurer le passeport au dépanneur Dion et Frères, à la Tabagie d'Expresso, au dépanneur des Vétérans et au dépanneur Pierre-Henri. Avant de terminer, j'aimerais mentionner que ça fait 2 ans que l'équipe de Dolbeau Mistassini met la main sur le bol. Personnellement, je suis très fier d'être l'un des récipiendaires du Bol d'Or d'improvisation, mais en tant que président de la 3e édition, j'espère que cette année, l'auditoire sera nombreux, impartial et surtout que le Bol d'Or d'improvisation sera remporté par une équipe de l'extérieur. Merci. L'intention de faire du Bol d'Or d'improvisation le tournoi le plus prestigieux au Québec. Et comme vous avez pu le constater, cet objectif nous apparaît maintenant à portée de main. J'invite la population d'Aubissoise et des environs à se déplacer en grand nombre pour découvrir ou redécouvrir ce spectacle exceptionnel. Afin de financer la cinquième édition, 5 à 7 bénéfices aura lieu le jeudi 24 avril à la brasserie chez Noël. De plus, le 26 avril à 21 h, aura lieu un match bénéfice à la coopérative de solidarité Vox Populi, composé des joueurs du Bosquet et du Cégep de Saint-Lucie. L'an dernier, lors de notre conférence de presse, je vous ai présenté les nouvelles bandes d'improvisation, le nouveau site Internet ainsi que les bannières du tournoi. Les joueurs nous l'ont mentionné. À chaque année, votre organisation ne cesse de s'améliorer. L'an dernier, le Bol d'Or d'improvisation est devenu un organisme à but non lucratif. Nous avons même mis sur pied un temple de la renommée. Depuis que j'ai pris la présidence du Bol d'Or, j'ai toujours eu comme principal souci le développement de la notoriété du tournoi. Je pense que plus cette notoriété sera grande, et ce, auprès des joueurs, du public et de nos commanditaires, meilleur sera le spectacle. La qualité du jeu offert l'an dernier est le fruit de l'ensemble des améliorations que notre équipe a su apporter. Cette année, le Bol d'Or d'improvisation célèbre son 5e anniversaire. Il y a 5 ans, ce projet a vu le jour grâce à l'initiative de M. Marc-André Paquette, M. Enrico Allard et M. Jimmy Allard. Pour célébrer ce 5e anniversaire, nous voulions absolument immortaliser ce moment puisque 5 ans d'existence démontre bien que le tournoi de Bol d'Or d'improvisation est là pour rester. Un 5e anniversaire, c'est un moment important. Afin de commémorer cet événement et toujours dans un souci du développement de notre notoriété, en janvier dernier, nous déposions la candidature de notre organisme au concours de la Caisse Desjardins des avoirs au service des aides. Le projet déposé était de développer un nouveau trophée de bronze de couleur or avec le Centre de formation professionnelle de la ville. Ce nouveau trophée sera présenté lors de notre conférence de presse d'aujourd'hui.